plus qu'une machine à réparer. Viens à moi, Super Train Supersonic. On dirait que c'est toi qui as le tournis maintenant. Yo-yo, rapido. C'est bon, je te tire. Glu glu, méga muscle. Il faut qu'on utilise notre nouvelle technique d'attaque. Roméo a réparé presque toutes ses machines. On t'explique encore une fois. C'est bon, j'ai compris. Mais j'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Pourquoi tu ne participes pas si tu sais comment faire? Mais peut-être qu'elle ne sait pas comment faire. C'est ça? Tu t'en veux parce que tu t'es trompé tout à l'heure et tu as peur de te tromper encore une fois? Je serai dans le même état que toi, mais c'est pas la peine de t'en faire parce que... C'est bon, je peux le faire, c'est trop facile. Mais pourquoi tenter un nouveau truc alors que j'ai mon... Bibou Tornado! Que mon train supersonique est réparé, ça va décoiffer. Qu'est-ce qui se passe, vieille chouette? T'as le tournis? Encore? Non, d'un hibou déprimé. Je peux pas m'arrêter, je vais tomber. Yo-yo, acrobation. Glu-glu, méga muscle. On n'est pas passé loin. Mais on fait quoi pour les machines de Roméo? Il les a toutes réparées. Avec ma télécommande, je contrôle tout. Mon labogan va tout geler. Mon robot va diffuser des gaz puants. Et si vous essayez de l'arrêter, il vous fera passer au ralenti. Et pendant que vous vous occupez de ça, je vais faire joujou avec mon train. Tchou-tchou, les pyjaminus. J'ai un plan. Non, attends-moi, j'ai un plan encore meilleur. Serpent rampant, j'aurais mieux fait de suivre mon plan à moi et de me servir de mes super pouvoirs. C'est l'heure d'être un héros. Glu-glu, pied collant. Vous allez écouter mon plan. Pour m'aider, il faut que vous cassiez un maximum la banquise de Roméo. Alors, prêt pour un flipper polaire? Hé, le plan de Glu-glu pourrait marcher. C'est parti, on va briser la glace. Hein? Ces pigeonouilles sont en train de détruire mes superbes montagnes russes. Impossible de faire demi-tour maintenant. Je vais montrer à Roméo qui des deux est le roi de la glace. Glu glu pied collant. Salut Roméo. Hein? Avec mes glu glu pied collant, je suis meilleur que toi sur le verglas. N'importe quoi. Mon labogon a été conçu par le plus grand des génies. Moi. Alors si tu crois qu'un petit pot de colle comme toi peut mieux faire, tu rêves. C'est ce qu'on va voir. Allez, Glu-glu! Attrape-moi si tu peux. Glu-glu, méga muscle. Pyjamasque. Génial. Bien joué, Glu-glu. Ton plan était au top, tête de chat. Oui, on est vraiment désolé de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Non, c'est de ma faute. Quand j'ai une bonne idée, il ne faut pas que j'aie peur de m'y accrocher. Calmez-vous, les garçons. Ce n'est qu'un squelette. Nous sommes au musée. Plus de tablette, Bibou. Ça ne fonctionne pas. Yo-Yo a raison. On doit s'occuper de Roméo nous-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. La tablette s'est bien débarrassée de Robo, mais pas de la façon que j'espérais. Attendez voir ce qu'elle va faire maintenant. Mais il faut que nous... Tout ira bien. Allez, en route. Vous voyez? Pas de Robo en vue. Il doit encore être en réparation. Et tout ça grâce à ma tablette. Pendant que Robo se recharge, je vais pouvoir mettre en marche le pyjascanner. Maintenant que j'ai enfin trouvé comment l'allumer. Non! Les super zéro! Vous avez vu le travail? Pas si vite, Roméo! Ma tablette va reprendre la main. Ah, tu crois? Pas si je réactive le bouclier du champ magnétique. Oh!
pas de soucis, je peux l'éteindre. Et moi, je peux l'allumer à nouveau. Éteint. Allumé. Éteint. Allumé. Allumé. Éteint. Allumé. Éteint. Allumé. Allez, allez, allez. Attention, Bibou, tu sais bien que le pige à scanner est fragile. Fais doucement, surtout. Ça va aller, faut juste le déverrouiller. Hein? Oh non, ma tablette, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Oh! La fonction navette spatiale du QG ne doit être activée qu'en cas d'urgence absolue et de catastrophe imminente. Oh! Pourquoi se contenter d'un QG quand on peut avoir un QG navette spatiale et voler à la vitesse supersonique? Pas besoin, Gluglu, je peux utiliser un des pouvoirs de Zoézap à la place. Localisation par la pensée. Localisation par la pensée? Oui, Zoézap prouve n'importe qui rien qu'en se concentrant très fort. Mais ça marche que dans les bouquins, non? Hein? Mes oreilles de chat captent quelque chose. C'est le rire de Roméo. Tu es aussi génial que moi, mon robot. Les pyjamasques. Serpent rampant, Roméo. Pourquoi est-ce que tu as abîmé nos livres? On les aime, nos histoires. Eh ben, moi, je n'aime pas ça. Je préfère plutôt regarder des photos de moi. Hein? Mais tu devrais essayer de lire un truc, comme mon livre de Zoézap. Pas question. Débarrasse-toi de ces idiots robots. Oh! Oh! Roméo a déjà pris tous les livres. Je vais les récupérer avec l'attaque éclair. L'attaque éclair vient de finir par terre. Pourquoi tu ne veux plus utiliser tes super pouvoirs à toi? C'est pas que je ne veux plus, mais avec une frappe éclair, Roméo sera vraiment surpris. Enfin, quand j'arriverai à la faire. Comme tu veux. Maintenant, il faut essayer de savoir où Roméo va aller. Où est-ce qu'on trouve des livres? À la bibliothèque municipale. Mille reptiles. Il y a des livres rares là-bas, uniques au monde. Il faut absolument l'arrêter. Bibou, dépêche-toi ou Roméo va aussi voler tous les numéros de Zoézap de la bibliothèque. Beau travail, mon ami mécanique. Bientôt, tous les livres de la ville parleront de moi. Tu es l'une des plus grandes inventions de tous les temps. Merci, maître. Scientifique est derrière ce mur. On ne peut pas laisser Roméo le démolir. Oh, les pyjamasques. Vous arrivez à temps pour me voir voler mon propulseur. Le propulseur? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu crois que je vais continuer à marcher bêtement quand je serai le maître du monde? Pas question. Je volerai avec mon propulseur. Comme ça, d'en haut, je pourrai pchiter des mauvaises odeurs dans les cheminées de tout le monde avec mon incroyable vapoprout. Les gens seront tellement occupés à se débarrasser de la puanteur que personne ne pourra m'empêcher de diriger le monde. Ce serait catastrophique. Les pyjamasques, il faut qu'on arrête ces gants box. Yo-yo, acrobateau. Et moi, je vais bloquer la vue à Roméo. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu le sauras bien assez tôt, Roméo. Quoi? Et maintenant, je ne vais pas prendre de gants pour démolir ta machine. Glu, glu, méga muscle. Ouais! Oups! Wow. Attention, Glu-Glu! Il est en train de glisser! Glu-Glu main collante! Cool, caméléon, regardez! En fait, cette pièce de bulldozer de Roméo est un super bâton sauteur! C'est un bulldozer sauteur! Je vais réparer mon bulldozer et vous écrabouiller! Pigeminus!
je n'ai plus besoin de ce truc. Oups, dommage. T'es prêt, Yo-Yo? Je le tiens. Quand même, c'est bizarre qu'elle l'ait laissé tomber. Par mes oreilles de chat, je sens qu'elle manigance quelque chose. Ou peut-être qu'elle est juste maladroite. Venez, on va le rapporter au musée. Comme ça, je pourrai vite retourner voir Piu-Piu. Eh ben dis donc, ton oiseau a mis un beau bazar dans notre QG, Bibou. Piu-Piu, qu'est-ce qui t'a pris enfin? C'est parce que tu l'as laissé qu'elle a fait des bêtises. Avec Lionel, c'est pareil. Il met toujours le bazar partout quand je le laisse seul. Moi qui pensais que ce serait chouette d'avoir un animal. C'est vrai que c'est cool, mais un animal a besoin de bouger et d'être dressé. Ça demande beaucoup de... C'est encore Sorceline. Elle est au zoo. En route, les pyjamas. Pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qu'on fait de Piu-Piu? Oh, je sais, elle n'a qu'à venir avec nous. Comme ça, ça lui fera une sortie et puis je la dresserai en route. Oh, on ne peut pas emmener un animal en mission. Tout ira bien, n'est-ce pas, Piu-Piu? Allez, ouche. Ça suffit, Sorceline. Tu vas laisser ces papillons rentrer dans leur cerf. Oh mince, les pyjaminus sont là. Ils vont encore gâcher mon stratège. Vite, Papy Nuit, partons d'ici, dépêchons-nous. C'est curieux. D'habitude, on ne se débarrasse pas d'elle aussi facilement. Tout va bien, vous pouvez retourner à l'intérieur. Piu-Piu, tu leur fais peur. Allez, va m'attendre dans l'astroïde. Elle voulait juste que tu fasses un peu attention à elle. Greg et Amaya à la rescousse. Quoi? Oh, mon précieux robot. Mais comment êtes-vous sortis de votre cage, les pyjaminus? Incroyable ce qu'on peut faire avec une barrette à cheveux. C'est vous qui êtes incroyable. Même sans vos super pouvoirs. Merci. Y'a pas de quoi. Vous aviez raison. J'aurais dû vous laisser m'aider. Attrapez-les! C'est l'heure d'être un héros et d'accepter votre aide cette fois. Yo-yo, rapido! Ce sera plus amusant de vaincre Roméo en super-héros, non? Amaya devient... Bibou! Greg devient... Les pyjamas! Il faut frapper le super ordinateur de Roméo. Si on le détruit, ça désactivera les robots. Tu as raison, Bibou. Hein? Va aider les autres, Robochat! Non! Oh! Où est le vrai Gluglu et la vraie Bibou? C'est moi, la vraie Bibou. C'est moi, le vrai Gluglu. C'est moi! Non, c'est moi. T'es bien avancé maintenant, Yo-Yo. Tu ne sais plus qui est qui. Il y a un pouvoir que tes robots n'ont pas. C'est celui de l'amitié. Bibou, Gluglu, à vous! Oui, roue acrobatique! Turbo tourbillon! Tu vois, Roméo? Je sais qui sont mes amis. Prêt pour notre enchaînement? Attrape-les! Faisons de la pâtée pour chat! Bon, j'ai hâte de l'attraper, ce méchant. Oreille de chat. J'entends quelque chose. C'est par là. J'ai bien peur de connaître ces voix. Vous ne savez pas encore, mais les ninjas doivent son grand effort. C'est Ninjaka. Et ces ninjas-oies vont voler notre matériel de sport. Ah, bonsoir, les pyjamasques. Rends-nous notre matériel de sport, Ninjaka. Les enfants en ont besoin au parc. J'en ai besoin, tu veux dire, pour mes super ninjas-oies. Ils sont de plus en plus forts. Bientôt, je pourrai même leur apprendre mes super techniques de ninja à moi.
Ils ne seront jamais aussi forts que moi. Venez, à nous de sauver la journée du sport. Vous en faites pas, c'est moi qui vais gérer. Mille reptiles, rends-moi ce vélo. C'est pour les autres enfants, pas pour les méchants. Wow, wow. Zouaves sont costauds maintenant. Oui, ils auront bientôt le niveau pour s'entraîner contre moi. J'ai dit bientôt. Pour le moment, direction le nouveau camp d'entraînement. Tourneur de page. Bien essayé, Gugu. Pas question. Je vais commencer à faire peur à tout le monde avec ce dinosaure. Et après, j'irai voler les autres au musée. Et je ferai peur à tout le monde partout où j'irai. Et je serai le maître du monde. On t'arrêtera, Roméo. Ah oui? Essaye déjà d'arrêter ça. La prochaine fois, j'en fais de la bouillie pour chat. Et maintenant, vol, vol, vol. Oh, un autre chat effrayé. On va voir s'il est aussi trouillard que Yo-Yo et le reste de sa bande de Super Zéro. Par ici, Minou, Minou, Minou. Excusez, c'était juste une mauvaise blague. Bien, alors je vais attraper Roméo toute seule. Oh non! Bibou! Il faut qu'on saute avant qu'il décolle. Prêt? 3, 2, 1. Non! Yo-Yo, acrobation! Ouais! Je te tiens, Roméo! Ça. Et toi, pourquoi t'as fait ça? À cause de toi, Roméo s'est échappé. Non, il s'est échappé parce que t'es parti en colère contre moi. Parce que tu m'as fait peur au musée. Ah. Oh là là! Alors, les pyjamas! Il nous reste une chose à faire. Tu ne trouves pas ça super beau, Sorceline? Si, si. Mais maintenant, la fête est vraiment finie. Et je n'ai même pas eu le droit à un cadeau. Bien sûr que si. Des patins à glace. Mais vous savez, je n'en ai encore jamais fait. Ce n'est pas grave, je ne sais pas en faire non plus. Mais on va y arriver. Allez, viens, il suffit d'essayer. Pyjamas, on crie Ouah! C'est nuit, on a sauvé Noël de tous ses tracas! Waouh! Ouais! Waouh! Hein? Hé, qu'est-ce qui se passe? Il neige! De la neige pour Noël! Attrapez un flocon avec votre langue! Wow. Il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne gèle encore plus de trucs! C'est vraiment super glissant! Roméo avec mes glu-glu pieds collants. Pas la peine, glu-glu. J'ai un plan qui va marcher à tous les coups. Oui, mais le mien est encore plus... J'ai besoin de vous. Il faut vite reprendre l'astro-hibou. Bon, ben, mon idée attendra alors. Bibou, trouve Roméo grâce à ta hibou vision. Et ensuite, je compte sur toi pour qu'il ne nous remarque pas, glu-glu et moi. Hibou vision.
Je l'ai repéré. On y va, Glu-Glu. Je vais me faufiler jusqu'au labo par en dessous et toi par au-dessus. Le temps que Roméo réalise qu'on est là, on lui aura déjà pris les commandes. Yo-yo, un gros vaisseau. Ça devait être le vent. Aussi agile qu'une panthère, Yo-Yo saute sur le tuyau glacé et grimpe jusqu'en haut grâce à son... Wow! Grâce à son... Wow! Yo-Yo ne s'avoue jamais vaincu. Ben alors, t'en as mis du temps. Minet, tu veux jouer à un chat glacé avec moi? C'est toi le chat! Oh Fais attention, Yo-Yo! Oh, oh. Je suis frigorifiée! Je ne peux plus bouger! Yo-Yo garde son calme et suit son plan pour sauver ses amis! Pas de panique! Yo-Yo est aux commandes! Et il est cool et relax, comme Maître Fang. Yo-Yo, rapido! Terminus, tout le monde descend! Wow! Yo-Yo, t'as assuré! Merci de nous avoir sauvés. De rien. Et je suis désolée de m'être fâchée après vous tout à l'heure. J'ai vraiment pas été sympa. C'est pas grave. Le vrai Yo-Yo est de retour. Merci, les amis. Au fait, j'ai une idée. Peut-être que si Ninjaka et ses ninjazouaves s'énervent, eux aussi feront des bêtises. Allez, les pyjamas! J'ai l'honneur de vous présenter la meilleure émission de kung-fu de l'histoire de la télé. Vous n'allez pas en croire. C'est cool, fini pour toi, Ninjaka. Rends-nous cette épée. Tu rêves, Sacapus. Elle est à moi et vous n'avez aucune chance de la récupérer, les pyjaminus. N'essaye même pas de dégainer ton épée, Ninjaka. Il n'y a que Maître Fang qui peut faire ça. Non, reste calme, Yo-Yo. Hé, les ninjazois, pourquoi vous n'avez pas le droit de jouer avec l'épée? Peut-être que vous n'êtes pas assez bien et qu'elle est trop belle pour vous, pas vrai, Ninjaka? Quoi? Non, c'est pas ça, c'est juste que je sais mieux m'en servir que vous. Non, arrêtez! Ça suffit, arrêtez! Laissez-moi! Mon épée! Arrête de la filmer! C'est moi la star de l'émission. Ils arrivent pas à la cheville de la statue de la lune. Continue à chercher, Papy Nuit. Ce serait pas plus simple que tu lui donnes ce qu'elle veut et qu'on n'en parle plus? Non, la statue du hibou est à moi et c'est tout. Bon, d'accord. Alors on passe au plan B. Yo-Yo, rapido! Allez, on s'active, les Papy Nuit. On n'a pas toute la... Hein? Hein? Qu'est-ce que... Quoi? Hé! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je viens de bloquer toutes les issues, sorceline. Tu ne peux plus t'échapper. C'est ça, dans vos rêves. Sorceline et ses papy nuits se sont échappés. Ils ont laissé tous les objets. Tous sauf mon hibou du partage. Elle l'a embarqué. On n'a qu'à dire que tu lui as donné. Ben voyons, ça aurait été trop simple. C'est vrai qu'Abrac, on dirait que sœur Céline n'en veut plus en fin de compte. Si elle n'en veut plus, moi je veux bien le garder, ce chat. On n'a plus qu'à tout rapporter à l'école. Oui, tout le monde sera content, fin de l'histoire. Tout le monde sauf moi. Mon hibou du partage n'est pas dans le tas, mais j'ai bien l'intention de le récupérer. On dirait qu'il y a comme un champ magnétique ici. Je vais avoir besoin de votre aide pour récupérer ma statue. Tu es sûre que tu ne veux pas lui laisser? Jamais de la vie, sœur Céline me l'a volée. Elle ne mérite pas de la garder. Bon d'accord, toi tu t'arranges pour qu'elle sorte. De mon côté, j'essaye de trouver un moyen pour entrer. Hé,
Attention, Céline! Vous me dérangez, j'étais en train d'admirer cette magnifique statue de lune. Oh, c'est une statue de hibou d'abord, et tu me l'as volée en plus! Non, tu me l'as donnée, tu te rappelles pas? N'importe quoi, elle est à moi! Oh, peut-être, mais c'est... Mes autres papinus essayent d'ouvrir la passerelle de décollage. Si Glugli a quitté son repère, je peux enfin mettre mon plan à exécution. Bientôt, le quartier général des pyjamas que sera à moi. À moi, moi. Regarde, elle est là. Vous pouvez pas m'attraper. Mais où est passé ce papinuit? Je savais bien qu'ils auraient besoin de moi. Glugli, reptile en camouflage. Si diabolique que ça. Elle n'est pas censée s'arrêter là. Ah, hurra! Oh, regardez! Qu'est-ce que tu as fait à notre belle ville? Tu veux sûrement parler de Roméo Police? Moi, je ne fais rien du tout. Celle qui travaille, c'est ma diabolique boîte à malice. Grâce à une simple petite équation mathématique. Oh, tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas voulu essayer autre chose. J'ai répété les mêmes erreurs encore et encore pour attraper Roméo. Si je n'étais pas restée bloquée tout le temps sur une seule et même idée, il n'aurait jamais pu terminer sa boîte à machin. Non, ma diabolique boîte à malice, tu veux dire. Si vous me cherchez, je serai à l'intérieur. Sur mon trône. Oh, on n'arrivera jamais à entrer. Hein? Là-dessus, tu as raison, Yoyo. En revanche, il y a peut-être un moyen d'attirer Roméo hors du musée. Allez, c'est l'heure d'être un vrai héros! Est-ce que je me ferais plutôt appeler Monsieur le maire Roméo ou Sa Majesté Roméo? Maître, venez voir, c'est urgent! Qu'est-ce que... Le labo est en marche? Mais c'est impossible! Il n'est pas encore chargé! Ah! Sors de là tout de suite! Robot! Yo-yo, rapido! Roméo! Tu ne garderas pas nos pouvoirs une minute de plus! Qu'est-ce que vous allez faire? Casser mon super copieur de pouvoirs que j'ai mis hyper longtemps à construire pour libérer vos pouvoirs? Oui, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Oups, ce serait une solution, c'est vrai. Mais d'abord, vous allez avoir affaire à mes glu-glu méga-muscles. Rappelez-vous les garçons, suivez-moi et ça ira. Hop, on décolle. Ha, glu-glu main collante. Vous avez entendu Roméo, tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer son appareil. Ah, à droite. Bibou.
Bibou Tornado et on va lui faire s'envoler le copieur de pouvoir des mains. Bibou Tornado! Ça fonctionne! Plus fort encore! Yo-yo, rapido, vite! Bienvenue votre volante! Encore un petit effort! Sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Sacha devient... Yo-yo! Amaya devient... Bibou! Greg devient... Mobile peut coller à tout sans glisser. Ce serait parfait pour la glace. Et si on prenait... Prenons l'astro hibou. En survolant la ville, on verra ce qui se passe. Bonne idée, Bibou. Mais la reptilo mobile serait plus... Non, ils ont sûrement raison. Chut. Allez, Glu-Glu, une mission nous attend. De la ville est gelée. Les chiens et les chats ont même arrêté de courir pour se tenir chaud. Wow. Ha ha ha! Qu'est-ce que c'est? Hibou Vision! Regardez là-bas, le labo de Roméo! Hé! Je m'amuse comme un fou! J'étais sûre que c'était un coup de rhum. Nous, on s'occupe des œuvres d'art! Mais d'abord, je vais régler son compte à Ninjaka! Bibou, qu'est-ce que tu fabriques? Je mets de la peinture dans le réservoir. Il a aspergé ma sculpture de peinture. Maintenant, c'est à son tour. Non! Ya, ya, ya! Oh, oh Bibou! Très joli, crâne de piaf. Quel talent! Mais ce n'est pas de la peinture qui va m'arrêter. Alors, c'est tes étoiles collantes qui vont le faire. Hé, hey, Bibou, un petit coup de main. Merci. Mais tu sais que t'as failli abîmer les œuvres d'art de tout le monde avec ta peinture. Tu ne veux quand même pas que les tableaux de nos amis soient abîmés comme ta sculpture? Non, mais c'était pas ça que je visais. C'est Ninjaka que je voulais couvrir de peinture. Je trouverai une autre façon de me venger. Mais pour ça, je dois découvrir où il a l'intention d'aller. Je suis sûre qu'il va essayer de voler d'autres tableaux. Donc on cherche un endroit où il y a plein d'œuvres d'art partout. Mais oui, bien sûr, c'est le musée. Vite, en route. Toi et toi, vernissez mon chef-d'œuvre et que ça saute. Quant à vous, allez cacher ces affreux tableaux dans le musée pour que personne ne les voie. Quelle merveille, quelle splendeur! Je suis un véritable génie! Quel chef-d'œuvre spectaculaire! Je suis le plus grand artiste de tous les temps! Oh, je rêve, vous voyez la même chose que moi! C'est une statue géante de Ninjaka! Je vais nous rapprocher le plus près possible! Reptilo mobile mode camouflage! Regardez, c'est vraiment incroyable! Même pas vrai! Elle est moche, sa sculpture, d'abord! Descendez, bande de ninja Soso! Vous risquez de casser mon beau chef-d'œuvre sans faire exprès! Comme vous avez cassé la sculpture de Zoé Zapierre! Hein? C'était un accident! Ils n'ont pas fait exprès de casser ta sculpture! De quel droit avez-vous osé peindre une moustache sur mon magnifique chef-d'œuvre? Mmh.
C'est pas comme ça qu'on arrivera à le rattraper. Bien sûr que si. Je vais m'envoler et le forcer à se poser. Toi, tu fonces sur lui en yo-yo rapido en tirant Glu-Glu à l'arrière de ton vélo. Parfait. Comme ça, je pourrai attraper l'astro-hibou avec mes méga muscles. Hein? Yo-yo! Je ne peux rien faire avec ce vélo. Pas de super rugissement ni de lancer de boules de poils. Je retourne chercher le chat bolide. Et notre plan, alors? Pose-toi, Roméo. Tu ne m'échapperas pas. Sur ton petit vélo? Tu rêves complètement, le piaf. C'est moi qui vais te voler dans les plumes. Roméo est en train de se poser pile où on voulait. Yo-yo, Glu-Glu, c'est à vous. À nous? Mais je suis tout seul. J'ai besoin de Yo-Yo. Un peu plus vite. Vite. Salut et bonne nuit, les pyjamas. Glu-Glu, où est passé Yo-Yo? Lequel j'essaye? Le triangle vert. Non, non, non! Yo-Yo! Hein? Dommage que tu nous aies lâchés tout à l'heure. Roméo s'est enfui. J'allais venir vous aider dans mon génialissime chabolide. Il arrive! Vite, cachez-vous! L'astro-hibou était plutôt pas mal, mais les deux autres sont peut-être encore mieux. Amstram, Gram, piqué, piqué, collé, Gram. Lequel des deux est le prochain au produit? Puis la pure un ninjaka qui chante. Top. C'est moi la vedette, pas vous. Reculez. Plus loin. Encore un peu. Encore. Parfait. Alors, où j'en étais déjà? Et un, et deux, et un, deux, trois, et quatre. Je suis la plus grande pop star! Ninja, ninja, ninja! Oh non, par mes écailles! Regardez la toiture du musée! Elle est en verre! S'il continue de chanter, elle va éclater en mille morceaux! Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il ne peut pas chanter sans ses musiciens. Donc, il nous suffit de récupérer les instruments. Oh, j'ai vraiment la trouille de faire de la musique devant tout le monde demain. Mais je dois remplir ma mission. Hein? J'ai trouvé une idée. Les ninjazouaves sont tellement loin de Ninjaka qu'ils ne les voient plus. Alors avec mon yo-yo acrobasso, je peux bondir sur eux et les attraper dans ce filet. Et pendant que Glu-Glu les occupera, je ferai un vol en piqué pour reprendre nos instruments. Personne ne nous empêchera de faire notre concert. Le concert? Yo-yo! Voyons si l'acoustique est meilleure dans notre salle. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pensé au concert et tout à coup, mes jambes sont devenues toutes flagada. C'est pas grave, Yo-Yo. Mais il va quand même falloir qu'on récupère ces instruments.